Monsieur le sénateur, cher Hussein, madame la rectrice de région académique, rectrice d'Académie Montpellier, chancelière d'université, chère Sophie, monsieur le ministre, Jean-Claude Guesso, dans nous rejoindre, monsieur le président du conseil départemental de l'Hérault, monsieur le représentant de la présidente de région Occitanie, monsieur cher Christian, madame la première adjointe représentant le maire de Montpellier, chère Fanny, monsieur le mon général, commandant le groupement de gendarmerie de l'Hérault, monsieur le directeur départemental de la police nationale, mon colonel, délégué militaire de l'Hérault, monsieur le contrôleur général, directeur du SDIS 34, madame la Drari et monsieur le Drari adjoint, mesdames et messieurs les directeurs, directrices et directeurs et représentants des services de l'État, mesdames et messieurs les consuls et consuls honoraires, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires de Clapiers, Castelnau-le-Lez, La Grande-Motte, Saint-Georges-d'Orque, Jacou et Saint-Félix-de-l'Hérens, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Montpellier, les vice-présidentes et vice-présidents de la métropole de Montpellier, monsieur le président de la CCI de l'Hérault, cher André, monsieur le directeur général du CHU de Montpellier, madame la représentante du CHU de Nîmes, monsieur le directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier, je ne sais pas s'il nous a rejoint, mais il devrait nous rejoindre. Je salue également le président de la SATT à XLR, madame la présidente de l'université Paul Valéry, monsieur le président de l'université de Nîmes, monsieur le directeur de l'école nationale supérieure de chimie de Montpellier, madame la directrice de l'Institut Agro-Montpellier, monsieur le directeur général du CROUS, monsieur le directeur du CINES, mesdames et messieurs les présidents honoraires de l'université Montpellier 1 et Montpellier 2, mesdames et messieurs les directeurs honoraires donc des écoles faisant partie aujourd'hui donc de l'établissement public expérimental, mesdames et messieurs les membres de la société des membres de la Légion d'honneur, mesdames et messieurs les représentants de l'association des membres de l'Ordre national du mérite, monsieur le président de la Fondation du Jardin des Plantes, cher André, monsieur le président de la Fondation Université de Montpellier, cher Nicolas, monsieur le président de la Fondation Valen, cher ancien ministre, cher Jean-Claude Guesso, mesdames et messieurs les représentants de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, mesdames et messieurs les présidents des centres et délégués régionaux des organismes de recherche, je salue également mesdames et messieurs les consuls et consuls honoraires, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidentes de l'université, dont certains sont également anciens de la fonction, d'autres nous ont rejoints plus récemment, monsieur le directeur général des services, cher Bruno, mesdames et messieurs les doyens et directeurs des UFR, écoles et instituts, mesdames et messieurs les préfigurateurs des pôles de recherche, mesdames et messieurs les directeurs des structures de la recherche, mesdames et messieurs les directrices et directeurs des directions des services centraux et communs et directrices et directeur adjoint des composantes, mesdames et messieurs les représentants des partenaires de l'université, mesdames et messieurs que j'ai oublié de citer et qui ne m'en voudront pas, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, chers et chers étudiants. Très heureux donc de vous accueillir ici au Palais universitaire des sports pour cette traditionnelle cérémonie de vœux, traditionnelle certes, même si celle-ci, contexte sanitaire oblige, eh bien, n'a pas pu être organisée ni en 2021 ni en 2022. Néanmoins, une cérémonie des vœux qui permet d'une part de faire un retour sur les événements marquants de l'année écoulée et également de mettre en avant les axes qui devront conduire notre action au cours de 2023. Tout en essayant, dans ces deux cas, dans ces deux parties, diraient des juristes, eh bien, de ne pas tomber dans un inventaire trop descriptif, inventaire des fois difficilement supportable par l'auditoire. Cérémonie de vœux qui également a pour objet de rassembler la communauté universitaire pour une cérémonie conviviale, de rencontrer et de remercier les partenaires de l'université, au premier rang desquels les collectivités régionales, qu'il s'agisse de la région, du département, qu'il s'agisse également de la métropole, de la ville de Montpellier. Remercier également nos partenaires du monde socio-économique, les associations. Remercier également et présenter à la représentante de l'État ce qui est conduit au niveau de l'université et remercier la représentante de l'État et tout particulièrement donc la rectrice, je le dis, pour le soutien qu'elle porte à l'université de Montpellier. Et également donc, eh bien,
remercier plus sincèrement et plus, je dirais, spécifiquement cette année, celles et ceux qui, tout au long de l'année, œuvrent au quotidien pour notre protection, pour notre sécurité. Donc, un merci tout particulier à la gendarmerie, à la police, à l'armée et aux pompiers. Alors, un discours de vœux, comme je l'ai indiqué, c'est d'une part un bilan, d'autre part des projets. Un bilan, 2022 a été une année de grande réussite pour notre université, confirmant ainsi notre place parmi les grandes universités françaises, comme en témoigne le positionnement que nous avons dans les classements internationaux. Je ne citerai pas tous les classements internationaux, mais par exemple, nous sommes, et vous le savez, dans le top 200 du classement de Shanghai et la troisième place donc dans le classement écologie. Et nous sommes dans 10 disciplines sur 42 dans les 100 ou 150 premiers. Au-delà de cela, en 2022, parmi les succès, il y a eu en premier lieu la pérennisation de l'ICIT. Labellisé donc en 2017, l'ICIT a été confirmé en 2022. Et en cinq ans de période probatoire, eh bien, ce projet a permis d'initier des transformations importantes dans chacun des grands champs de la vie académique. Des actions qui étaient initialement portées dans le cadre donc, d'une fondation et qui, depuis le 1er janvier 2022, sont réintégrées dans les directions de l'université, laissant à une direction spécifique le soin d'organiser aujourd'hui de nouveaux projets structurants. Mais je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé tout au long de ces 5 ans, et tout particulièrement aujourd'hui les directions métiers de l'université qui reprennent donc au quotidien les actions qui ont été initiées précédemment. Également, la pérennisation de l'ICIT nous a conduit à créer une nouvelle structure, le comité des investissements stratégiques et structurants permettant d'associer l'ensemble de nos partenaires du projet, au premier rang desquels les organismes de recherche, mais également il y a donc les écoles, les établissements de santé. Il y a également donc l'idée, eh bien, derrière de développer un comité consultatif international, mais là j'y reviendrai en 2023 sur les actions de 2023. Au-delà de cette labellisation définitive de l'ICIT, permettant ainsi donc, eh bien, de pouvoir, je dirais aujourd'hui, passer à autre chose, puisque ces 5 ans ont été particulièrement prenants en termes donc, de reporting, d'actions à mener, il y a eu également d'autres succès dont l'université a été lauréate. Par exemple, ça a été le projet IDIL. IDIL, c'est sur l'interdisciplinarité dans les laboratoires et notamment le lien entre la recherche et la formation et le lien avec des masters qui doivent ouvrir ensuite sur donc, des formations doctorales. Une labellisation donc, qui a été obtenue, qui a permis quand même d'amener, grâce au crédit UPIA, 12 millions d'euros et qui a permis de développer dès cette année différents projets de formation avec nombreuses composantes pédagogiques qui se sont, je dirais, impliquées dans ce dispositif. Et donc nous avons aujourd'hui 9 nouveaux parcours de master spécifiquement orientés vers la recherche. Ça a également été le projet ID. ID voulant dire consolidation des IDEX et des ICIT, c'est un petit peu le bonus de la labellisation qui nous a permis d'obtenir 11 millions d'euros sur 8 ans, permettant de mettre en avant 3 axes de développement de l'université, l'innovation, l'international et la science des données. Plus récemment, ça a été également le succès au titre de l'appel à projet Excellence sous toutes ses formes, lancé par notre ministère, de notre projet Exposum, qui se fonde sur, vous le savez, le concept d'exposome et qui vise à intégrer l'ensemble des expositions biologiques, chimiques et physiques tout au long de la vie afin de comprendre leur impact sur la santé humaine. Projet qui se déroulera de cette année jusqu'en 2030 et qui est doté d'une somme substantielle, 23 millions d'euros par l'État, et je remercie la région, 23 millions d'euros également par la région. La région s'étant engagée à mettre 1 euro là où mettait également 1 euro l'État. Donc un grand merci à la présidente Delga. Ça a également été un succès dans un appel à projet sur compétences et métiers d'avenir, travailler sur les nouvelles formations, les nouveaux besoins en termes de professionnalisation de demain, et notamment le projet de l'école de la santé numérique que porte, je le vois face à moi, notre collègue Maurice Ayot, qui bénéficie d'un financement de l'État de 4 millions d'euros et d'un soutien également de la région. Projet donc sur santé numérique qui réunit également plus de 10 composantes de l'université. Ça a été également une labellisation au titre des défis clés, des programmes lancés donc ici par la région Occitanie.
Nous étions déjà labellisés sur les thèmes tels que la biodiversité, tels que les risques infectieux et les vecteurs. C'était en 2021. Nous portons aujourd'hui un nouveau projet sur le thème de l'eau, sur le thème de la vigne et du vin également. Donc une réussite, de nombreux projets permettant de développer des initiatives, mais qui ne sont pas que des initiatives en matière de recherche. Il y a également, derrière l'ensemble de ces projets, une volonté de développer de nouvelles formations, une volonté également de concrétiser de nouveaux partenariats. Bref, finalement, partir de l'item qui est la recherche et irriguer l'ensemble des missions de l'université. 2022 a également été l'année de mise en place, vous le savez, de l'établissement public expérimental, qui était notre engagement pris donc, au niveau de l'ICIT, avec l'intégration dans l'université, tout en conservant le statut d'établissement public de l'École nationale supérieure de chimie et des liens étroits, consolidés par une convention avec l'Institut d'agro-Montpellier. Au-delà de ces quelques approches très générales, il y a également d'autres éléments plus marquants par grande thématique. Alors, sans tous les développer, je voudrais évoquer en termes de formation, eh bien, c'est la mise en place générale et progressive de la démarche compétences dans nos formations. Des éléments de cadrage ont déjà été lancés, donnés aux directeurs des UFR, écoles et instituts, pour présenter une offre de formation complète sous cette forme lors de notre prochaine accréditation. Il y a également des appels à projets en termes de formation qui ont été lancés. Je ne pourrais pas tous les décliner, mais c'est par exemple dans le domaine du numérique pour la formation, ou ça a été plus récemment avec l'ensemble des partenaires de l'ICIT, un appel à projets visant à récompenser 14 projets visant à consolider de nouveaux parcours de formation. Et puis ça a été aussi, j'ai vu le directeur de la faculté de sciences et le directeur de la faculté d'économie, l'ouverture d'un cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, donc en lien FDS, Faculté économie, lycée Joffre. Et là aussi, je dois remercier l'État pour l'accompagnement donné à ce projet. De même, au-delà du projet que j'ai évoqué sur l'école de santé numérique, eh bien, il y a eu d'autres financements obtenus dans d'autres appels à projets. Je pense Industrie 4.50, avec notamment un aspect diagnostique porté par l'ancien directeur donc, de l'IUT de Nîmes. Nous avons participé également à d'autres appels à projets portés par d'autres établissements d'enseignement supérieur de l'Académie, voire même de la région. Le numérique pour la formation a également été au cœur de nos préoccupations en 2022 avec la poursuite du projet Agile Hybride permettant une diversification des pratiques pédagogiques grâce au numérique. Enfin, il convient de noter que parmi nos actions en matière de formation, eh bien, l'apprentissage a encore plus été valorisé. Notre nombre d'apprentis, année après année, eh bien, ne cesse d'augmenter, témoignant par là même qu'aujourd'hui, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur est une voie de l'excellence. Et puis, enfin, il convient de noter sur la sphère formation qu'a été mis en place le service commun de soutien à l'innovation pédagogique que porte Jean-Patrick Respo et qui comprend également un observatoire de la transformation pédagogique pour évaluer nos pratiques. Formation, mais formation également en lien avec la vie étudiante, puisque le schéma directeur de la vie étudiante a été initié et toute une série de manifestations ont été organisées cette année, que ce soit la journée d'accueil des nouveaux arrivants, que ce soit également le samedi des sports qui soit organisé ou que ce soit plus spécifiquement un appel à projets pour financer des équipements. Et 17 projets ont été retenus, témoignant par là même de la vivacité et du dynamisme de nos structures étudiantes aux associations et bureaux des élèves. Formation, vie étudiante, à mi-chemin avec la recherche, il y a la politique documentaire. Politique documentaire et la volonté eh bien, d'être toujours plus proche donc, des usagers. Et je dois remercier l'ensemble donc, des collègues du SCD pour leur travail. C'est par exemple l'extension des horaires de la BU Richter pendant les périodes de partiel qui témoignent donc, d'une écoute attentive de nos étudiants. C'est également l'installation de cabines acoustiques connectées pour le travail en groupe sur la BU Sciences. Enfin, il y a également les dispositifs d'orientation, d'insertion professionnelle qui également sont particulièrement performants. Et je remercie tous les collègues qui se mobilisent tout au long de l'année sur les salons, mais ensuite à travers des manifestations donc dans les lycées ou même en centrale pour valoriser l'offre de formation et aider à l'appui de nos diplômés dans leur insertion professionnelle. 2022 aura également été une année importante en termes de recherche, d'innovation et de partenariat. J'ai évoqué tout à l'heure l'intégration du projet MUSE, du
projet d'ICIT parmi les directions métiers de l'université. Donc c'est le fait qu'aujourd'hui, eh bien, notamment la direction de la recherche a repris l'appel à projet recherche qui était lancé initialement par la Fondation, tout comme le fait la DFE. Mais ça a également été en 2022 la poursuite des travaux autour de la déontologie et de l'intégrité scientifique avec la création d'une nouvelle instance, le comité d'éthique de la recherche que préside notre collègue le professeur Lavabre Bertrand. Et donc, avec Marie-Christine Sordino, sur des questions de déontologie, d'intégrité, et aujourd'hui le comité éthique de la recherche, nous avons aujourd'hui de quoi répondre, pourrait-on dire, à une série d'interrogations de nos collègues qui, au quotidien, peuvent avoir des interrogations légitimes sur le cumul d'activités ou telle action. Cela a également été en 2022 la labellisation du pôle universitaire d'innovation, un dispositif lancé par Frédéric Vidal quelques mois avant la fin de son mandat qui visait à créer en France 5 sites, labelliser en France 5 sites pour structurer toute la sphère innovation, puisqu'on sait que l'innovation est partout, certes à l'université, mais également dans les établissements de santé, on a la SATT aussi. Et donc il y avait l'idée de créer une structure spécifique pour cela, ou une organisation spécifique pour cela. Et donc nous avons été labellisés, et donc nous sommes un projet finalement préfigurateur, permettant par là même eh bien, de pouvoir sortir ensuite un cahier des charges lancé au niveau national. Cela a été également la signature de notre convention hospitalo-universitaire qui avait attendu un petit peu dans les tiroirs pendant un certain nombre de mois et qui, enfin, a été signée, permettant par là même de se mettre dans les clous. Ça a été aussi, sans faire un inventaire trop long, eh bien, la labellisation atelier de la donnée. Alors, c'est une labellisation un petit peu spécifique qui permet d'appréhender tout ce qui concerne les données scientifiques, le cycle de la donnée, également la valorisation, le travail sur la donnée, comment on peut également les transférer. Et là, c'est une labellisation qui fait de nous, finalement, aussi un opérateur important et qui montre cette préoccupation, certes, de travailler avec des matériaux, mais ensuite de pouvoir les opérer pleinement. Sans être trop long, même si je suis encore sur 2022, je voudrais évoquer quelques éléments de responsabilité sociétale. Responsabilité sociétale, nous sommes très bien classés dans le THE ranking, puisque nous sommes aujourd'hui dans les universités françaises parmi les meilleures sur ces questions-là. Nous avons candidaté, et un audit a eu lieu en décembre, pour l'obtention du label Alliance de l'AFNOR, donc là, nous devrions avoir les résultats prochainement, pour valoriser les actions menées et également poursuivre des efforts en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes et de lutte contre les discriminations. Égalité professionnelle femmes-hommes avec la mise en place du dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles qui aujourd'hui est élargi, je dirais, à l'ensemble du périmètre de l'établissement, incluant les étudiants, la diffusion d'un guide également spécifique sur cette thématique-là auprès de tous les agents et usagers. Également, lutte contre les discriminations, eh bien, c'est la signature très récemment, en présence de Sylvie Retailleau, de la charte de l'autre cercle pour réaffirmer notre engagement pour la lutte contre les LGBT-phobies chez les personnels comme chez les usagers. Les relations science-société sont également au cœur de la vie d'établissement. Certes, l'université forme pour former, fait de la recherche d'excellence, mais doit diffuser les savoirs et doit donner envie de venir étudier notre établissement. Et une série de manifestations sont organisées, notamment portées par Isabelle Parot. Je pense notamment à la Fête de la Science. Je pense notamment à une série d'ateliers délocalisés. Nous étions encore récemment donc à 7. Et puis, il y a eu cette année le lancement d'un appel à projet, plus spécifiquement destiné à soutenir des initiatives de collègues visant à organiser des manifestations en lien avec la société, quel que soit l'âge, donc destinataire, des jeunes publics, mais parfois des publics plus avancés. Enfin, je ne saurais conclure 2022 parce que peut-être ce qui est le plus visible pour vous toutes et pour vous tous, c'est les questions de nature immobilière. Questions de nature immobilière, en premier lieu, l'université eh bien, a un patrimoine immobilier conséquent. Qui dit conséquent, dit coûteux. Et donc, une série d'opérations également ont pu être menées grâce notamment à la Fondation du Jardin des Plantes. Merci Claude pour l'action que tu conduis. Grâce au soutien inconditionnel de l'État, qui d'ailleurs nous aide dans le contrat de plan État-Région, et le soutien également tout particulier sur le patrimoine historique de la métropole de Montpellier et de la ville de Montpellier. Alors, c'est le cas, par exemple, eh bien, de la réhabilitation au Jardin des Plantes, donc du monument Rabelais. C'est le cas également du bâtiment de l'intendance, pour lequel nous avons eu une dotation spécifique donc, du loto du patrimoine. Et donc là,
qui va pouvoir enfin démarrer. C'est également donc la réunion d'un premier conseil d'orientation du Jardin des Plantes, permettant également de mettre en évidence la volonté de travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Mais l'immobilier historique, ce n'est pas tout. Et il y a l'immobilier au quotidien, en témoigne ce bâtiment qui n'est pas le seul avec quelques travaux de rénovation nécessaires. Bon. Donc l'immobilier, eh bien, il y a toute une série d'opérations d'envergure qui ont été achevées. L'opération Médecine-Nîmes, donc nous allons, Madame la Doyenne, avec la présidente d'Elga et Madame la Rectrice, procéder donc à l'inauguration, je crois que c'est le 7 février prochain. Il y a également l'achèvement de la première phase de rénovation énergétique des bâtiments des IUT de Nîmes et de Montpellier. 54 ans d'existence, je fais simple, dans ces bâtiments, et quasiment pas de rénovation d'envergure avant, donc grâce au CPER, eh bien, il y ait des crédits qui soient attribués. Ça a été également sur le site du Triolet, le bâtiment 19, chimie formation, eh bien, un bâtiment qui a été complètement rénové. Pour la recherche, c'est le projet Hydropolis sur le site de la faculté de pharmacie que nous inaugurerons prochainement. C'est le bâtiment 20, laboratoire physique de Montpellier pour la recherche en physique subatomique et biophysique. C'est quand même 10 millions. Et puis également, donc, il y a Ballard Recherche. Ballard Recherche porté par le CNRS. J'en parle quand même parce que ça coûte une blinde, hein, et plus y affinité dans les années à venir. Et donc j'espère quand même qu'il faudra arriver à l'inaugurer en grande pompe, donc, parce que avant que le compteur ne tourne trop vite en termes de coûts de fonctionnement. Mais nous serons vigilants, monsieur le délégué régional du CNRS, avec le directeur de l'école de chimie, à cette inauguration, parce que ça montre aussi un investissement massif de l'État et de la région. Et puis, d'autres éléments, peut-être plus anecdotiques, mais qui ont tout leur sens. Je pense notamment à la piscine de la Motte Rouge. La piscine de la Motte Rouge, souvent fermée, j'ai vu arriver le directeur du CINES, ancien président de l'UM2, qui a traîné ça un peu comme un boulet, la piscine de la Motte Rouge, et ses prédécesseurs aussi, et la métropole, dans un travail intelligent avec l'université, la reprise, la rénove, et donc on va pouvoir l'ouvrir certes pour nos usages, mais également donc l'ouvrir pour toutes celles et tous ceux qui, à Montpellier, eh bien, souhaitent pratiquer la natation. Je pense que lorsque les collectivités territoriales travaillent aussi avec l'université pour des projets qui intéressent, donc au-delà de nos simples usagers ou enseignants, on a tout à y gagner. Enfin, une série d'opérations également ont pu être financées grâce donc au plan de relance, au plan de résilience. Je pense notamment, là plus particulièrement, à des opérations à gain rapide donc en termes énergétiques, et je salue tout le travail qui a pu être mené par Bernard Morel. Et puis enfin, 2022, comme tout décideur public, ça a été le travail sur le plan de sobriété énergétique. Plan de sobriété énergétique dont nous devons tous aujourd'hui être exemplaires. Alors le cocktail sera quand même chaud, n'ayez pas peur, mais qui nécessite donc de revoir certaines de nos habitudes, de revoir certains de nos comportements, et également donc de mutualiser pour nous ce qui coûte très cher. Je pense notamment à une série d'équipements informatiques ou également des salles blanches ou des congélateurs à moins 80. Je vous en passe quelques-unes, mais là, il a fallu le travailler. L'international a été au cœur également des préoccupations de l'université avec notre projet d'université européenne Charm You, 5 universités. Je dirai en 2023 qu'il se poursuit, et j'en dirai un mot plus approfondi en passant à Charm 8. Et puis un institut de connaissances avancées que nous avions prévu notre projet ici et qui, chaque année, eh bien, accueille des chercheurs du monde entier et qui, cette année, a travaillé sur le rôle de la science en temps de crise. Ça se prolonge en 2023, peut-être la crise, mais tout le monde, la communication et les travaux autour permettant d'avoir une approche transdisciplinaire de ces thématiques-là. Et cette université qui a avancé en 2022, elle a avancé dans un contexte difficile. Certes, les financements ont été là. L'État a été à nos côtés, les collectivités ont été à nos côtés. Mais quand même, un contexte difficile, parce que, bon, on a terminé par une écriture d'un plan de sobriété, mais il y a eu, tout au long de l'année, à travailler sur différents chantiers. Je pense notamment à la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche, travailler sur l'indemnitaire enseignant, l'indemnitaire Biats, les repyramidages, les chaires de professeurs juniors, différents également cadrages pour les personnels contractuels, l'extension aussi du télétravail, par exemple.
Donc cela montre que nos directions centrales, quelles qu'elles soient, c'est essentiellement ici la DRH, mais d'autres directions aussi ont contribué, eh bien ont été, je dirais, confrontées à rude épreuve. Également des travaux sur la structuration du numérique avec le travail d'élaboration de schéma directeur numérique. Le numérique coûte cher, la sécurité informatique coûte encore plus cher. Donc là, il faut bien aussi que nous arrivions eh bien, à programmer ces investissements. Et puis, travail en interne aussi sur tout le dispositif d'amélioration continue et de contrôle interne. Alors ça, vous ne le voyez peut-être pas, mais quand vous avez la Cour des comptes dans vos murs, eh bien, il vaut mieux pouvoir lui expliquer que nous avons su développer des éléments de contrôle interne. 2022 est parti. 2023. 2023 à présent, quels sont les projets ? C'est d'abord poursuivre la mise en place de l'établissement public expérimental avec le déploiement des 5 pôles de recherche, le déploiement de l'école graduée, la mise en place du comité international consultatif. C'est également en matière de formation, eh bien, je dirais, une nouvelle approche. Car si les UFR, écoles et instituts bénéficient d'une très grande autonomie pour définir leur offre de formation, pour l'organiser, pour finalement valoriser tel ou tel parcours, eh bien, il n'en reste pas moins qu'il faut que le central ait un rôle d'impulsion, un rôle de définition politique des axes stratégiques. Cela avait été mis en avant par le HCERS lors de sa venue, et il est temps de passer à l'acte. Et donc, différentes actions vont être lancées en centrale. Ça va être le lancement d'un chantier relatif à l'évaluation des enseignements avec un chargé de mission. Ça va être également un appel à projet dénommé PROPEDA, qui va soutenir les initiatives en matière d'accompagnement à la réussite des étudiantes et étudiants primo-entrants à l'université. Ça va être également un nouvel appel à projet sur la formation axé sur la sensibilisation et la formation des étudiantes et étudiants aux enjeux de la transition écologique, démontrant finalement que ces questions de transition écologique sont aux préoccupations de notre action, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. En termes de formation, ce sera également l'ouverture d'une licence professionnelle sur la robotique et l'intelligence artificielle à l'IUT de Béziers. Je salue le directeur donc, de l'IUT dans la salle et je salue également l'accompagnement qui est fait ici par le recteur délégué ESRI. Ce sera également donc, de nouveaux projets dans le cadre des appels à projets compétences et métiers d'avenir, notamment autour de la filière arbre-bois-forêt, ainsi que sur la cybersécurité ou également sur les technologies avancées pour les systèmes énergétiques. Et donc là, cela montre bien qu'il faut trouver un point d'équilibre entre des composantes fortes qui assurent la visibilité par leur terme, faculté 2, IUT 2, école, mais qui, dans le même temps, eh bien, sur certaines actions, des actions qui sont des actions donc, d'établissement, peuvent jouer collectif. Enfin, en 2023 et dans quelques jours, nous attendons un résultat qui, nous l'espérons, sera positif, puisqu'il y a un appel à projet dont les résultats devraient sortir au niveau national sur l'accélération des stratégies de développement de l'établissement d'enseignement supérieur, devant permettre de nous donner des ressources complémentaires, notamment sur le volet formation continue et également sur le volet partenariat et aide au montage de projets européens. 2023 sera bien évidemment la poursuite des actions du schéma directeur de la vie étudiante. 2023, les BU feront encore évoluer leurs espaces avec l'aménagement à la BU Sciences et à la BU Richter de salles de formation. Projet donc soutenu, Madame la Rectrice, dans le cadre du dialogue stratégique de gestion. Également, donc, 2023, il y aura un nouvel appel à projet sur l'enseignement hybride, 290 000 euros, dont pourrait vous parler pendant le cocktail, notamment David Cassab. Et puis également, 2023 sera le lancement des salles d'examen numériques que nous avons obtenues et qui sont contenues aujourd'hui dans le contrat de plan État-Région récemment signé, donc différents sites en bénéficieront. En termes de recherche et de partenariat, 2023 sera le déploiement des 5 pôles de recherche dont l'organisation définitive va être finalisée dans les prochaines semaines. Ça sera également la réflexion de la période post-LABEX. Là, vous le savez, pour les enseignants-chercheurs et enseignants qui sont, ou même chercheurs qui sont dans des LABEX, vous avez été labellisés jusqu'à la période fin 2024. Maintenant que l'ICIT est pérennisé, les financements restent, et donc il va falloir réfléchir sur ce que nous faisons en termes de programmes longs pour la recherche à partir de 2024. Et je souhaite que cette discussion s'engage sur 2023 et se solde sur 2023 afin que nous puissions avoir un tuilage entre la fin des LABEX et les nouveaux programmes structurants.
Ça sera également donc des questions de sciences ouvertes avec l'atelier de la donnée pour lequel nous avons donc été labellisés. Et là, il y aura un portage par l'université, une série d'animations, d'ateliers, d'échanges avec les équipes de recherche. Ce sera également une année importante pour le data center qui a été donc labellisé, data center occitan, labellisé, mis sur deux pieds, dont un pied à Montpellier, porté au niveau du CINES. Je salue le directeur du CINES qui nous a rejoint. Et là, il est important eh bien, qu'avec le data center, avec l'ISDM, avec sa plateforme MesoLR, nous puissions donc travailler ensemble sur l'ensemble de ces ressources informatiques, du stockage, mais également de l'exploitation de la donnée et de la jouvence de matériel. Sans être trop long, parce que je commence à entendre un petit bruit de fond, légitime, je voudrais juste évoquer que l'établissement va développer en 2023 un schéma directeur de la transition écologique. Une vice-présidente a intégré l'équipe donc, en début d'année dernière, Frédéric Carcaillet. Donc un premier travail de cartographie, toutes les initiatives qui ont été faites, menées dans les composantes, mais structures de recherche va être fait pour ensuite bien définir un plan d'action ambitieux et pluriannuel, parce qu'on sait très bien que là-dessus, eh bien, il faut des financements, mais il faut également changer les mentalités. Il y aura également des actions en termes sciences et sociétés, et puis à l'international, eh bien, deux nouveaux dispositifs initiés, les KY, alors c'est les Key World Initiative ou Initiative Clé Mondiale, pour ceux qui sont locales comme moi, donc qui ont pour but de remplacer toute une série d'échanges internationaux et dans lequel eh bien, nous allons notamment pouvoir monter trois projets dont un autour des ressources en eau, puisque nous avons un centre labellisé UNESCO, un également sur la prévention des maladies vectorielles dans le cadre de la santé globale, et puis un autre sur la question des systèmes alimentaires et des enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux. Ce sera également à l'international la poursuite de notre projet d'université européenne avec l'extension de Charm U, 5 partenaires, à Charm 8, l'intégration donc de 3 autres universités, le but étant de pouvoir créer à travers ces 8 universités des diplômes coportés et une réelle mobilité de nos étudiants dans les différents établissements. Enfin, 2023 sera également, donc en termes immobiliers, eh bien, de nouvelles réalisations. 3 opérations bientôt terminées. STAPS, bâtiment A, enfin le bâtiment A de STAPS, financé grâce ici au plan de relance. C'est à l'époque Frédéric Vidal qui avait validé ce projet, cette opération à 4 millions. Le projet Audiocampus, le bâtiment C de pharmacie, là c'est une opération donc 2,5 millions. Et puis la mise aux normes, la mise en sécurité à l'Institut botanique, préalable indispensable donc à des travaux d'envergure. Des opérations seront également initiées, je pense notamment à la rénovation de pharmacie, monsieur le doyen, que je vois parce qu'il est beaucoup plus grand. Donc enfin ça va démarrer. Et je dois dire que le plan de relance a quand même bien aidé, parce qu'il a ramené 8 millions de plus donc, dans la rénovation de ce projet. Et donc, les travaux sur le bâtiment Y vont commencer. Village des sciences sur le Triolet, opération campus, 23 millions. Le LPM bâtiment 13, 25 millions également pour les bâtiments de recherche en physique et astrophysique. Et puis, nous avons un CPER signé. Un CPER signé, donc nouvelles opérations qui, grâce à la région, grâce à l'État, Madame la Rectrice, et grâce aux autres collectivités territoriales, eh bien, vont pouvoir démarrer. J'ai évoqué les salles d'examen numériques, mais c'est également le jardin des plantes et le bâtiment de l'intendance, cher à beaucoup d'entre vous, et puis également une série d'études sur la rénovation des bâtiments de recherche, en même temps que se poursuivront les rénovations des IUT, deuxième phase, et puis, Madame la Doyenne, sur le bâtiment historique de médecine, la poursuite des travaux de mise en sécurité. Jardin des plantes qui a évolue avec la stature Rabelais, évoluera au cours de cette année avec l'ouverture du portail sud. Si monsieur le maire était là, il en parlerait sûrement mieux que moi. Et puis ensuite, donc, la phase du bâtiment de l'intendance. Et puis je pense que Thierry, après, on calmera un peu les dépenses sur les plantes, parce qu'il ne faudrait pas que sur les plantes devienne la danseuse financière du président. Et puis, au-delà de l'immobilier, un travail pour le futur. Travail pour le futur sur de nouveaux documents stratégiques. Alors, nous espérons signer notre contrat pluriannuel. Nous espérons être retenus au titre des établissements expérimentaux pour les nouveaux contrats d'objectifs de moyenne et de performance avec votre tutelle. Nous aurons à retravailler notre schéma d'établissement sur le handicap,
puisque le prochain schéma doit démarrer en 2024 et donc il faudra donc que nous menions ici une mise à jour des actions initiées et que nous puissions donc en développer d'autres. Également, un nouveau travail sur les contrats d'objectifs et de moyens avec les composantes, avec les UFR, écoles et instituts. Et finalement, sur l'ensemble de ces projets, eh bien, c'est une mobilisation totale donc des communautés. Des communautés enseignants-chercheurs, enseignants, étudiants, personnel IATS, et une communauté également entre le central et les UFR, écoles et instituts, les structures de recherche. C'est ensemble donc que nous pouvons œuvrer et que nous pouvons faire avancer donc cet établissement. Voilà, en quelques lignes, enfin, quelques pages, j'ai essayé de dresser un petit peu la ligne de route pour 2023. Je voulais donc, pour conclure, vous remercier toutes et tous pour ce que vous faites pour l'université, dans votre travail quotidien, dans les fonctions qui sont les vôtres. Remercier tous nos partenaires. Je vois Jean-Claude nous a rejoint, la Fondation Van Allen également, donc partenariat de premier plan. Remercier tous nos partenaires, remercier nos financeurs, parce que je pense que l'Université de Montpellier, aujourd'hui, elle a acquis sa visibilité, elle a acquis une notoriété, et donc il faut consolider la trajectoire sur laquelle nous sommes. Je dis souvent que nous ne sommes plus préfecture de région. Certes, nous sommes une petite préfecture de province. Ouais, peut-être. Mais ça n'empêche que Montpellier est une ville qui compte sur la carte universitaire, pas simplement sur nourrir, soigner, protéger, pas simplement sur les trois thématiques qui sont au cœur des muses, parce qu'il faut travailler sur l'équilibre, parce que l'excellence, elle est partout, y compris dans des composantes, y compris ceux de recherche qui ne sont pas dans le cœur de cible de muse et qui ont vocation donc également à se valoriser. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre soutien, pour votre soutien passé, pour votre soutien futur. Un grand merci à l'ensemble des collaborateurs de l'université, collaborateurs et collaboratrices. Un grand merci à l'équipe qui m'accompagne. Et donc, au nom de cette équipe, enfin le cocktail arrive. Je finis par la dernière phrase. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, pour vous, pour vos proches, pour vos institutions aussi, une très bonne et une très belle année 2023. Merci.